cette période est historique. Historique, en effet, du fait que cette année, c'est le 60e anniversaire de la création de la Banque marocaine de commerce extérieur. L'année 2019 est également celle de la célébration de la création. Au sein du groupe BMC Bank of Africa, nous sommes heureux qu'il y ait eu un renforcement extrêmement important et très encourageant pour l'avenir des fonds propres de ce groupe, de cette banque, comme cela a été annoncé par le président Benjulloun à la fin de l'exercice dernier et qu'il a encore répété au cours de son marche. Je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'entrée prochaine. Le président Hassan Benjulloun l'a indiqué, l'entrée prochaine très imminente de la première banque de financement bilatéral dans le monde, qui est CDC Group. Et ça, c'est un élément aussi de confiance, pas seulement dans la BMC Bank, mais également dans le secteur bancaire et au-delà, dans le Maroc. À partir de là, ce sont des résultats semestriels qui témoignent du fait que la croissance a été retrouvée. Cela se reflète dans l'évolution de l'indicateur de création de richesse qui est le PNB. Ça s'est reflété dans la croissance du bilan de 5% en consolidé, du PNB, je disais à l'instant, de 7,4, du résultat net en consolidé de 4%. Bon, alors, dans ce contexte, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est cela que le président Hassan Benjulloun a indiqué en tout début de son intervention. À l'âge dans le temps, mais il faut que ces problèmes à l'ordre, mais j'y crée une fin. Ça viendra en temps opportun. Le plan de transformation figure ce que vous avez évoqué, monsieur, le changement de marque. Le changement de marque est un processus qui est extrêmement important dans la vie d'une entreprise. Les pays d'implantation du groupe, pour l'instant, BMC Bank of Africa,